Wesh les zouzous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a envoyé de la patate, du lourd, des frites, ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de la performance en 2016. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence les gars, j'aimerais préciser que je suis le nouveau commentateur de la Xetron Clan. J'espère que mon commentaire va vous plaire. S'il vous plaît, lâchez un like et allez vous abonner à ma chaîne, elle sera en description. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous présenter le gameplay. Donc le gameplay, c'est une triple nucléaire fail de Xetron Nitro et une plus de 150 kills sur la map Nuketown en domination hardcore. Donc vraiment, allez le féliciter dans les commentaires, c'est un très très gros gameplay. Et il n'aurait pas réussi ce gameplay si je n'étais pas dans la game, il faut se le dire, j'ai sorti les full haters. Non, je déconne. Donc on va tout de suite commencer le sujet de la vidéo. Donc le sujet de la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est la perf en 2016. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à faire de la performance. Donc tout d'abord, il faut avoir de la chance. La chance rentre en jeu tellement de fois. Et si vous êtes malchanceux, vous vous prenez des pots de fleurs dans la tête. Le skill et le talent ne pourra rien faire. Vous pouvez prendre une grenade across the map, un bug de connexion qui vous fait tuer, un colis stratégique ennemi avec des raps ou un hater, ou même un raps allié ou votre propre raps qui vous pète à la gueule. Bref, plus de merde qui peut vous niquer votre nucléaire. Double nucléaire ou triple nucléaire, comme ce gameplay où Nitro meurt avec une grenade perdue. Putain. Ensuite, on ne peut rien y faire. Des fois c'est la connexion, Black Ops 3 comme vous pouvez le savoir, les serveurs c'est de la merde niveau connexion. Si vous n'avez pas de bonne connexion, vous pouvez dire adieu à cette performance que vous attendez tant. Des connexions interrompues qui vont vous faire quitter la partie, qui vont vous faire laguer quand vous faites votre nuke ou l'ennemi qui se téléporte sous vos yeux. Et bien sûr, vous ne pouvez rien y faire, surtout si vous avez une co de merde avec 952 ping, on n'y peut rien. Donc privilégiez une bonne connexion si vous voulez faire de la perf. Pour faire des nucléaires, il faut avoir, je trouve, au moins 100 de ping ou au voilà 100 de ping, mais vous allez quand même galérer à faire des nucléaires parce que franchement, si les alliés jouent. Franchement, si les alliés sont des plots, des bots, des abeilles, la partie est foutue, même si vous êtes un bon joueur. Et si vous jouez en hardcore, là, c'est pire encore. Un allié qui vous tue à 29, qui campe, qui joue 106-14 et qui n'a pas de shoot, qui ne sert à rien, qui vous tue quand il voit que vous êtes près de la nucléaire, que des jaloux, des PD. Si vous voulez avoir plus de chances d'avoir plus facilement la nuque, il faut jouer en groupe les gars. Des amis qui vous sortent des full haters, ça fait plaisir pour débloquer le prochain hater et la nucléaire. Vous l'aurez beaucoup plus rapidement et plus facilement. Et aussi, il faut le dire, il faut avoir du talent les gars. Le talent s'acquiert. Avoir le shoot, le sang-froid et les réflexes. Car si vous tuez vos ennemis en hardcore, ou alors si vous tentez de chercher dans le spawn parce que vous êtes à 1 de votre nucléaire, bref, il faut acquérir la puissance du Super Saiyan. Mais avant, il faut s'entraîner avec des bots si on n'est pas très bon. Moi, ma technique, ce qu'il faut faire, les gars, quand vous êtes en vacances ou quelque chose, quand vous jouez beaucoup, quoi, en gros, vous vous dites, vous connectez une heure avant vos potes, ok? Vous allez en partie privée, vous vous faites la classe où vous jouez le plus souvent et vous mettez que les tirs headshots. Donc vous faites que ça pendant une semaine et vous verrez que votre shoot va grandement être mieux quoi. Vous allez mettre des headshots partout.
Ensuite, évidemment, pour faire une nuque, il va falloir tomber contre des personnes assez mauvaises. Je ne parle pas de noobs, ni d'abeilles. Des personnes qui ont entre 1 de ratio et 1,30. Donc ça, c'est le meilleur, les gars. Faut tomber contre des personnes qui ont 1 de ratio et 1,30. Mais il ne faut pas tomber sur les campeurs avec 1 de SPM. Et non plus, il ne faut pas tomber sur les gros tryhards comme vous qui regardez la vidéo, les gars. Il ne faut surtout pas tomber sur ces personnes. Si vous tombez sur ces personnes, vous quittez la game et vous en retrouvez une autre. Parce que nous, communauté de pigeons, nous achetons tous les codes. Donc du coup, il y a 3 millions de parties. Et comme il y a 3 millions de parties, vous avez 3 millions... Non, allez, on va dire 2 millions de chances de tomber contre des noobs ou des personnes qui ont 1 ou 1,30 de ratio. Donc, après cette vidéo, j'espère que vous arriviez à sortir des nukes, des doubles, des triples, des quadruples, des cinquuples. Bon, vous en avez compris, j'espère que vous allez sortir des gros gameplays qui allaient exploser la chatte de votre grand-mère. Bon, c'était un peu nul, ça. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon commentary vous a plu. S'il vous a plu, allez vous abonner à ma chaîne qui sera en description. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, la Xetron Clan va monter tellement vite qu'on va niquer la Apex. Bon, c'est ce que je pense, hein, mais voilà. J'espère qu'on va niquer tout. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui sera en description. Donc j'espère que mon commentary vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et encore, allez féliciter Xetron Nitro dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis peace, ciao. Bisous. Ciao les gars.